Bonjour et bienvenue dans The Binding of Isaac Plus, où l'absence de retour dans le casque est terrible. Merci Windows. Alors, est-ce que je recommence l'enregistrement ou est-ce que je suis déjà pas sérieux? Ouais, on va faire le gars pas sérieux. Donc, je fais ce que je veux. Petite vidéo de minuit. Pourquoi pas. Tiens, allez hop. Pourquoi pas. On est le keeper. On a littéralement tout à faire. Parce que on a seulement fait... comment ça s'appelle ? Ça va me revenir. Ultra grid. Oui, c'est ça. En mode difficile, en mode gridier. Et du coup, on doit tout faire. Et on commence même pas avec la pièce qui donne des sous potentiellement. Donc c'est un peu le hard mode du keeper. Les gens qui connaissent le jeu en penseront ce qu'ils en penseront. Le hard mode du keeper. C'est comme si tu joues à Doom en mode nightmare et que tu as un mode qui rend le jeu plus difficile. C'est un peu excessif. C'est-à-dire que là, en fait, les ennemis, quand tu les tues, ils respawnent, mais tout de suite. Bref. Non, le keeper est pas si terrible que ça, il a quelques particularités. Il y a quelques avantages aussi, hein. Faut bien dire que le keeper, il peut jamais y avoir de cœur qui spawn. Il peut pas prendre de deal with the devil, sauf ceux qui coûtent 1. Et encore, c'est très dangereux. Mais si on a un machin qui permet de spawner des cœurs en boucle, ça fait plein de mouches. Et c'est bien. Ouais, c'est à peu près tout ce qu'il a pour lui, bordel là-bas. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a explosé, donc on a perdu un conteneur, enfin une pièce, enfin un point de vie. On avait ramassé l'item avant, mais l'item en fait, c'est à la fin du petit jingle qui fait oh, qu'on gagne les pièces. Ça, ou alors j'ai ramassé une pièce par terre que j'avais pas vue. Et dans tous les cas, on a notre barre de vie complète. On va chercher les salles secrètes par contre. On fera peut-être pas boss rush à moins d'avoir un run particulièrement exceptionnel. Bah, maintenant je suis pas encore au boss là, qu'est-ce que je m'embête à chercher? D'accord. Salle secrète ici. Oui. Un item actif, c'est pas beau ça. Et du pognon. Et on sait où est l'autre salle secrète. Et on va aussi traiter les cailloux ici au cas où qu'il y aura un crawl space. Et on va probablement aller dans le magasin parce qu'on a plein de centimes. Fantastique. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'utile ? Pas vraiment. On va prendre des bombes parce que c'est utile les bombes. On va garder le bouquin ou on prend les pilules? Les pilules c'est dangereux donc on va pas faire ça. Les pilules avec le keeper c'est très dangereux parce qu'il y en a une qui s'appelle... Il y avait un cœur dans ce feu. Une pilule qui s'appelle Health Down qui nous enlève un conteneur de vie. Elle marche avec le keeper. Et comme on a actuellement deux points de vie, ça fait peu. Si on en enlève un, ça fait vachement plus peu. Voilà, il s'est pris toutes les mouches. Je peux pas faire plus vite. Oh, voilà. Il fait pas de bombe lui, je crois. C'est un champion spécial. Il fait beaucoup de boulettes normalement. Ou alors il se téléporte tout le temps, peu importe. Ça devrait pas être un problème. Ouais, il fait beaucoup de boulettes. Ok. Ouh, bien. Bon début de run. Des dégâts, tout ça. Bon, on est un peu lent, on est même beaucoup lent. Mais on avance. On a eu un bon premier étage. Des bombes empoisonnées. Des sous et
Magic Mush, hein, globalement, c'est généralement une bonne chose. Faut juste continuer à pas se faire toucher. Bam. Merci pour les bombes. Dès qu'on a l'item actif, on l'utilise bien sûr. Si j'ai la possibilité de savoir où sont les salles secrètes sans gâcher de bombes, je vais m'en servir. Ah, raté. Non. Par contre, si on trouve PhD, on prend les pilules, y a pas de souci. Si on trouve pas PhD, on prend pas les pilules. C'est du suicide. Le suicide, ça fait pas gagner les runs. Ça aurait même tendance à les faire perdre. On sait pas où sont les salles secrètes, c'est dommage. Pas encore. Magnifique. C'était peut-être pas le plus rapide qu'on pouvait faire, encore peu. Mais c'était tellement amusant. Les ennemis qui meurent tout seuls. Ouais, ça sent un peu la salle secrète quand même. Je veux dire. Quand même. Pognon. Yeah. Là, si on arrive à se choper un Money Equals Power avec le Crooker et en plus avoir les 99 pièces. C'est assez rare parce que les pièces servent de point de vie aussi, donc il peut arriver qu'on les consomme assez vite. On va aller voir le magasin tellement on a des sous. Ouais, bah, super. Non, remarque, c'est plutôt un bon item ça. On va prendre des clés. C'est plutôt un bon item parce que je crois que quand on se fait toucher, du coup, ça nous donne une chance de dropper du pognon. Si la machine pouvait figer, ce serait bien dommage. On va garder ça quand même. Je pense que c'est plus utile d'avoir les salles secrètes plus ou moins indiquées, ou le flanc, même simplement, ça marche aussi, hein, que le... un item gratuit dans le magasin. Même si j'ai grillé tout notre pognon pour l'instant. Autre salle secrète. Eh ben non. C'est random, le bouquin peut nous donner le plan de l'étage, les salles secrètes, je crois l'effet de la boussole aussi. Et ben là, il a décidé de pas nous donner les salles secrètes. Mais en même temps, on va essayer ici. Et ça. Bah non, du coup. Prends pas de risque. Bon, ouh, bordel. Oulala, oulala, oulala. The Hunt. On va faire ça. Juste histoire de se donner un tout petit avantage. Parce que là, c'est compliqué. J'ai plus peur de la brimstone, voilà. Que des tirs, parce que je suis assez bas sur la salle. Mais... il y avait pas vraiment besoin, mais c'est pas grave. De toute façon, bien. Ok, on peut pas prendre ça. Et on va pas prendre le machin à gauche. Donc on se casse. Il y a certains items qui coûtent un seul cœur rouge, qui valent le coup. Pas ça, pas celui-là. Bien. Oh bordel. Fallait pas qu'il me fasse exploser les mouches dans la figure, lui. Ça aurait été gênant. C'est peut-être dangereux d'avoir pris Robo Baby en fait. Des fois c'est bien, mais les ennemis explosifs près de nous qui meurent sans contrôle, je sais pas bien. C'est mauvais, c'est dangereux, catastrophique. Ouais, super. Or, eh ben dis donc. Quand tu veux. Ouais, vous voyez, Robo Baby. Des fois c'est bien, et des fois... Est-ce que c'est le meilleur usage possible de cette carte? Impossible à dire. Est-ce que c'était un usage intéressant? Oui. Quand même. Alors, on a le plan de l'étage.
qui nous aide, c'est un des trucs qui nous aide le moins, mais bon. Bon là quand même. Ok. Alors j'aime bien le machin là. Mais ça c'est potentiellement vachement plus intéressant quand même. Pour nous sortir des mauvais pas. Avoir un trou noir dans la poche, pratique. En bas il y a deux salles pas spéciales qu'on n'a pas faites. Et qu'on ne fera probablement pas du coup. Ok, on va s'éloigner de tout ce petit monde. Vous savez quoi? Exemple, hop. Voilà. Parfait exemple. En plus, j'avais pas vu, mais ça a sorti le coffre et la bombe. C'était génial. D'ailleurs, à ce sujet, paf. Oh oh oh. Le magasin va être intéressant. Oh oh oh. Nos larmes peuvent dropper des pièces. Vous savez quoi? Pour fêter ça, on fait cette salle. Normalement, je fais pas ces salles avec les coffres gris. Parce que ça n'a pas grand chose à part perdre du temps. Mais si on peut gratter un ou deux centimes, pourquoi pas? Sans mourir, bien sûr. Ce serait embêtant. Et aussi, ça fait des charges sur notre item. Pas faux. Merci. Et quoi? Rien! Bon, du coup, ça servit à rien, mais. Olé. Coucou. Non. Merci. Magasin en bas? Oui. Très pratique. Très, très pratique. Alors, PhD, parfait. Du coup, on peut prendre les pilules parce qu'on sait ce qu'elles font. Ça, ça fait des mouches. Là, ça fait des cœurs normalement, mais ici, ça fait des mouches. Cette pilule, c'est quoi? Comme si, bon, on s'en fout. Et j'ai plus assez de sous pour faire autre chose. Je prends de la bombe. Non, là, je prends la carte. Magicienne. Quoi? Donc ouais, maintenant, les pilules ne sont plus dangereuses parce qu'on sait ce qu'elles font à l'avance. Pas besoin d'expérimenter. Ça peut être... Du coup, ça peut être vachement pratique d'en avoir. Salle secrète secondaire. Eh ben, premier coup. Allez, j'ai déjà fait de venir. The Fallen. Ouh, c'est bien, il donne un bon item. Lui. Un item de deal. Le vol, c'est pas mal. Demon Wings, c'est le vol le plus simple, il n'y a pas d'effet de Spectral Tears ou quoi avec. Mais c'est du vol. Ah ah, humour. Non, c'est le vol et c'est vachement pratique. Parce que du coup, tous ces trucs-là sont accessibles. Fantastique. On va pas dans les Curse Room. Sauf s'il y a une salle secrète à côté. Parce qu'on peut rentrer gratuitement, mais sortir ça coûte une caisse. Et c'est pas garanti qu'on la remonte facilement et c'est dangereux. Est-ce que je prends le risque? C'est pas forcément un avantage, mais c'est pas dramatique. Donc ça aurait été Soy Milk, que ça aurait été bien misérable. Ou deux, trois autres trucs. Voilà. On est pas très bon en termes de violence quand même. Hein. Je veux dire, on a des gros dégâts, mais on tire vraiment pas. Dans cet étage, il est linéaire, quoi. C'est bien. Là, on avait une salle sur le côté, puis après le reste. Après, c'est bien qu'il y a plein d'ennemis, ça fait plein de pièces là. Alors, on n'a pas 15 centimes, de toute façon. Oh, j'ai déjà vu celle-là. Hein. Non, Power Pill. C'est pas si mal. Est-ce que c'est mieux de garder Magician? Oh là. Non, vous savez quoi? Vu que de toute façon, le chrono, on est loin d'avoir fait ce qu'il fallait. On va être malin, maintenant qu'on connaît les pilules. On entre là-dedans, on se bat contre ce truc. Très chiant d'être là. On ouvre les deux coffres. On voit s'il y a des choses intéressantes, ça c'est bien. Et on se casse gratuitement. Donc ouais, dans I'm Drowsy, c'est pas intéressant. Et du coup, je récupère Magicienne et j'ai eu un lock-up, ce qui me place à actuellement à 1.
Ce qui est pas vraiment fantastique, il faut bien l'avouer, mais en même temps, c'est positif. Enfin, c'est littéralement juste positif. Voilà. Alors ça, c'est typiquement la salle où tu fais ça. C'est dangereux, ça. Voilà, ça peut exploser. Ça pète les cailloux. C'est vrai qu'il faut s'en souvenir de ça. J'oublie un peu des fois. Comme là, par exemple. Merci. C'est vraiment l'étage linéaire. Hein. Aucun virage, quoi. Ouh, j'étais pas passé loin, là. Ah, des sous. Parfait. Bon, bientôt le boss ou... Vous savez quoi, c'est gratuit. Sack of Sacks. Un bon item. Ça, souvent, il y a une salle secrète à côté, donc... Je pense à me dire que peut-être... Bah, pas du tout. On pourrait le croire, mais non. Oh. Je suis un peu parce que j'ai pas encore pris de coup, mais à part la bombe du début. Mais ça pourrait arriver assez vite. Et on a genre un hit avant de mourir, ça fait peu. Parfait. Oh, c'est plus linéaire, il y a un truc là. Oula, c'est plus linéaire du tout. Je pensais que ce serait une seule salle. Ouais, ouais, ouais. Piou, piou, piou. Oh. Ah. Ace of Hearts, ça transformerait tous les trucs par terre en mouches. Là, ça fait genre deux trucs, c'est pas très intéressant. Je préfère me garder magicien. Ça peut potentiellement être vachement utile. Avec triple shot. Même si pour l'instant, je sais pas trop quand je vais m'en servir parce que ça changerait pas grand chose. Je peux mourir, merci. Bon, les salles secrètes, c'est un peu chiant, ça peut être à beaucoup d'endroits, on a 11 bombes. Bon, bah la première elle est là. Merci. Et l'autre, elle peut être vraiment très loin, j'ai vraiment très envie de pas y aller. Donc voilà. Oh bordel, c'est une bombe qui fait des dégâts de contact. J'aime pas ça. Ouah, les deux trucs sont morts. Merci. Oula, pas trop près. Voilà. Pas de deal. Et un trinket. Écoutez, c'est gratuit, je prends. On s'en sort pas trop mal pour l'instant, on va peut-être même réussir à faire mob. C'est un niveau XL. Si tout se passe bien, on aura un deal à la fin. Ce qui n'a pas beaucoup d'importance pour ce perso, rappelons-le. Sauf exception où on a une pilule L-sub ou quelque chose comme ça. Par contre, niveau XL ici, ça veut dire... Oula. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de salles, forcément. Et que du coup, on va probablement passer un certain temps à tourner en rond. Mais bon. Une autre carte magicienne. Super. Ok. Voilà, toi. C'est trop loin. Attaque. Voilà. Et il doit rester une larve ici. Droit dans les pics, c'est pas beau ça. Justice. On peut pas se permettre d'entrer là-dedans. Il explose lui ou il fait juste mal? Il fait mal. Parfait. Nope. Nope, nope, nope. Pas du tout intéressant. Et toi, tu vas faire quoi en mourant? Tu tires dans tous les sens ou... Tu tires dans tous les sens. Ouais, ok, ça, si c'était pas une salle secrète, ça y ressemble très fortement quand même. Ok, ça par contre c'est pas cool.
Lui, il me vole mon pognon. C'est mal. Faut plus qu'il survive. C'est... Ah, remarquez, il reste un magasin, techniquement, dans cet étage. On verra ce que ça donne. Et si on va au magasin, effectivement, 50%, ça peut nous donner un petit avantage. Taille, merci. Ah, il a eu le temps de cracher. Oh. On va voir la Curse Room. Ouais, on fera peut-être pas boss rush, hein. Je veux dire, de toute façon, on n'a pas vraiment un run fantastique pour ça. D'accord. Ça, c'est nul. The Chariot. On va garder The Chariot. Très, très bien. Ou reprendre... Non, on va garder Chariot parce qu'effectivement, il passe la vulnérabilité. C'est toujours sympa. Magnifique. Ça, franchement. Que demande le peuple. D'accord. Techniquement, il y a une deuxième item room et le magasin qui m'intéresse. Avant le boss. Et le pognon. Saleté d'Eternal Fly. Et du caca. Oula. On meurt quoi, merci. Ouh, cette propulsion d'un coup là. Pas cool. Ouais, boss rush, ça va pas être possible. Clairement, le chrono ne le permettra pas. Mais vraiment pas, je veux dire, je sais tellement même pas où est le boss là. Même si je voulais y aller. Après, c'était pas vraiment un objectif. C'est-à-dire, si on arrive péniblement à atteindre le boss rush, enfin, la salle de boss rush, avec notre run, ça vaut peut-être pas le coup de faire boss rush, surtout avec, le Keeper. Que Keeper, il... si galère pour arriver à l'atteindre la pièce, ça vaut mieux pas le faire, ça n'a pas la puissance de feu. Ah. Et là, clairement, on a galéré sur des mobs qui ne le méritaient pas. Ouais, bon, on va faire ça. On veut pas trop les salles qui servent à rien quand même. Sauf si on le sait pas. Par exemple, cette salle-là, effectivement. Si j'avais su, j'y serais pas venu. Donc ça peut être par là en bas, en haut à gauche ou à droite. Hop. Regardez trop la carte. Qu'est-ce qu'on va voir? Bah ok, item room et magasin. Comme ça, ça s'est fait. Ça ne sert à rien à part faire des mouches. Je vais garder l'autre truc. Et ça, ça ne sert à rien parce que... Alors, on va prendre ça. Par contre, non, clairement, l'autre item ne sert à rien. La pilule, c'est quoi? Puberty. Ok, ok. On va faire ça. On va prendre... Cluster Bomb. C'est une très mauvaise idée, pourquoi j'ai fait ça? C'est super dangereux. Bon bah tant pis pour le potentiel Joker. Hein. On va faire ça comme ça. Voilà. Ça, c'était pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Et ça, c'est des mouches. Et je pensais que c'était aussi de la cadence de tir, mais je me trompe peut-être. Et il nous reste 4 centimes, ce qui ne suffit pas pour faire autre chose. Sauf s'il y a une promo. Il y a une promo, mais elle n'est pas très intéressante. Bon, ça peut pas être par là. Où se trouve le boss. Donc j'espère qu'il va être à gauche. Mais effectivement, pas de boss rush aujourd'hui. Après, voilà, premier run keeper normal. Première tentative sérieuse, on va dire. On peut pas tout avoir. Il est où ce boss?
commence. Bon, c'est un niveau Excel. Le voilà. Près de la salle secrète. Comme de par hasard. Merci les mouches. Bon, mom. Ah non, d'abord adversary, j'avais oublié. Voilà. Un item de guppy. Ce qui ne fait jamais de mal. Mom. Ok, j'ai pris un coup là. C'est mal. C'est mal parce que ça grille mes chances de team. Passer de 100% à 11%, c'est peu. Ah, on lui fait tellement pas mal, moi. C'est dramatique. Hein. J'avais pas vu qu'il y avait 3000 mouches en bas. Il y a des aides, elle attend en fait. Ah, la version de mon champion, bien sûr. Allez, ça y est. Donc pas de deal, bien évidemment, parce que j'ai fait de la merde. Bordel. C'est nul. Bon, Scarred Round 1. On va ouvrir tout ça. Fantastique. J'aurais bien voulu utiliser mon item actif là, moi. Sur Mom, je pensais vraiment que ça lui ferait des dégâts tant qu'elle serait dedans, mais... C'était... Soit ça l'a pas fait, soit c'était tellement pas assez que ça a pas servi. Ouais, super. Ouais, merci pour la pièce. Ouais, là c'est la tirelire qui est vachement utile en fait. Si quand on se fait toucher régulièrement, on drop une pièce, on est dur à tuer. Ça reste faisable, hein, mais on est dur à tuer. Ouais, c'était pas transcendant comme résultat tout ça. Cela dit. On a PhD, hop hop hop. Donc speed up c'est bien, speed là qu'on s'en fout, et mathémésis c'est des mouches. Speed up c'est toujours bien, et mathémésis c'est toujours des mouches. C'est toujours des mouches, merci. Et ça c'est chariot, fantastique. Non c'est bien les mouches, ça nous fait gagner un peu de temps. Ça nous met pas, ça nous enlève quelques dangers pendant quelques minutes quoi. Les mouches avec nous, pas celle-là bien sûr. Ok. C'était très bizarre. Par là. Ensuite, par là, j'ai pas de pièces par terre, je vais donc éviter de... Bah, vous savez quoi? Voilà. Est-ce que c'est le meilleur usage possible de chariot? Absolument pas. C'est probablement un des pires. On va être tout à fait honnête. Ok, toi... Boum! Augmente les chances de deal et ça c'est bien. Pas de salle secrète adjacente à cette pièce là. On va les chercher quand même parce que ça peut être utile. Sauf que pour l'instant c'est nulle part. Aucune des pièces qu'on a trouvées ne peut avoir la salle secrète principale. Celle-là c'est possible. Ça y ressemblait beaucoup. Ok. Les hosts là vous commencez à m'énerver. Toi aussi. Merci d'être mort. Ouais. Non. Ouais, on attend qu'ils s'approchent. On les tue pas aussi vite que ce que je voudrais. Mais ils peuvent pas tirer ceux-là, ça va. Voilà, ça c'est cadeau. Zlup. Vous savez quoi? On va arrêter les économies. Vu que ces ennemis là ils font plein de cadavres qui peuvent me tirer dessus et que ces cadavres qui nous tirent dessus ils sont très chiants. Comme ça par exemple. Ça me rend moins. Vous savez quoi? Non, pas trop de vie toi. Voilà. Ça c'est fait.
Écoutez, on profite, hein. Oui. C'est pas très bon placement, ça. Alors, là, honnêtement, on cherche que le boss, hein. Les salles secrètes, c'est du bonus. Et les cluster bombs, toujours. Parfait, merci, robot baby. Le voli. Allez. L'autre salle secrète pourrait être ici. Pourrait être très très loin. J'ai très très pas envie d'aller chercher très très loin. Parfait. L'item idéal pour affronter Terratora. Et on n'a pas eu de deal, mais c'est pas grave. Il y a le machin qui a littéralement concentré tous les mobs à un endroit pour tous les tuer en même temps. Parfait. Bon tout. Bien. Ok. Ça, on va pas s'en servir. Ce serait du suicide. Ça marche, hein. Ça enlève un conteneur de pièces. Et c'est pas genre ça le vide, c'est genre ça l'enlève. Donc on va s'en passer. On n'y voit rien, ça j'aime pas trop. Justice. Parfait. Ah, le machin il va super vite en plus, le bout de viande qui pop. C'est quand tu veux, toi. Ok. Oh. Dommage que je puisse pas vous jouer, vous, là. Je suis sûr que vous m'auriez donné des super bons items. Malheureusement, on ne saura jamais. Les ennemis qui tirent dans tous les sens, là. On s'en passe. Merci. Bon, on a fini la ligne droite. Regardons ce qu'il y a en dessous. Ouh, bordel. Ouais, entassez-vous. On va juste tous vous tuer comme ça. Ensuite, les petits machins là, comme ça. Il en reste un. Putain, entre le moment où je l'ai vu et le moment où j'ai... C'est chiant, ça. Très énorme et ça apporte aucune difficulté ni rien. J'espère que ça marche pas avec ce boss. Ça c'est fait. Bon, le boss est là. Hop là. Le boss est là, on n'a pas trouvé de salle secrète. J'aurais bien aimé en trouver un peu, j'aurais bien aimé trouver d'autres trucs en même temps. Le boss est là. C'était un très mauvais placement d'item. Absolument pas utile. Voilà, j'ai galéré à choper l'œil, hein, mais bon. Apparemment, le petit bébé, il peut pas. Le robot baby, il peut pas. Ah, bordel! Il peut pas tirer quand il est trop loin. C'est pas cool. On va crever, bordel! Pas sur Hit Lives. Bon, si, après, il a été chiant, il a fait des ZAD. Il en refait d'autres. Et j'ai cramé Terratoma trop tôt. Y'a pas eu de pièce là? Si, y'en a une, tu peux pas aller la chercher. Ah, c'est super tendu. Ah, ils sont deux à faire chier là. Voilà, j'ai de la vie. Ouais, super Great Baby est apparu dans le basement. Je suis content. Ouais, c'est pas un run puissant, hein. C'est un run compliqué. Mais ça passe.
jusqu'à la cathédrale. Là, ça, là, on va commencer à tomber sur des ennemis qui vont avoir plus de vie que ce qu'on fait de dégâts et c'est top. Ah, mais j'avoue, Hit Life, là, il a été mesquin. Et puis bon, j'ai cramé mon item au mauvais moment. Je sais pas pourquoi je me suis dit, je vais le lancer tout de suite, ça va tuer les yeux, mais pas du tout. Ça tue pas les yeux. Ouch. Ah. Ah, les Eternal Fly, c'est un cauchemar. Ah, enfin une salle où il se passe rien. Sérieux, les cailloux là? Pourquoi je me fais arrêter par les cailloux? Je suis plus fort que les cailloux normalement. Bon, pas du tout. Mais... voilà. Oh oh. Et on peut les poser les bombes, on en a encore 97. Ça va. Un peu loin celle-là. Et ça touche. Pas rentrer dans la porte. Donc le boss est pas vaincu. Empereur. Ça fait quoi? Oh, oh, oh. Restons zen. Cette phase n'est pas difficile, il faut juste être un tout petit peu attentif. Et patient. Attentif et patient. Dit-il en prenant un coup et en se jetant sur les autres tirs pour ramasser une pièce. Alors qu'il n'y avait aucune urgence. Cela dit, on a fait Hit Live. Yeah. Ouais, c'était pas glorieux, mais bon, il en faut. Allez-y.